retrouve pour un nouveau challenge ou alors un nouveau jeu, voilà. Un jeu sur l'ordinateur, enfin qui n'est pas forcément un jeu, mais ça s'appelle un game quand même. Alors c'est The Grit Language Challenge. Alors je ne sais pas si vous connaissez, on voit beaucoup ça aux États-Unis, sur les chaînes anglophones, sur YouTube. Alors c'est en fait, alors je vous explique, alors, tu peux expliquer toi Loulou? Bon, en fait, on va nous dire des voix. Des phrases, ouais. Ouais. Des phrases, mais pas en français, en plusieurs langues, peut-être en français. Hein. Et en fait, on aura des langues écrites, par exemple, il va dire une phrase anglaise, et par exemple, nous, on va marquer espagnol, et ben on aura perdu. Ouais. Alors, en fait, on a trois vies. Alors, en fait, on a trois vies, voilà. Je vais vous l'expliquer plus facilement, parce que Gourandré est un peu perdu, là. Alors, en fait, on va nous proposer une phrase. Et cette phrase, il va falloir deviner en quelle langue elle est parlée. Elle est prononcée, voilà. Et pour ça, on aura plusieurs propositions, parce que bien sûr, ça peut être 4, ça peut être 3, ça peut être 5. Et on va être noté à chaque fois. Je crois que c'est par tranche de 50 points. Alors le record, je crois qu'il est autour de 3600 points, c'est ça? 6300. Ah, 6300 points, pardon, excusez-moi. Donc on va essayer bien sûr de battre le record, on est trop fort, on est les bestes. je pense que non. On c'est la première pas. Fois qu'on y joue, alors. Alors déjà on va essayer, on va pas être l'un contre l'autre, on va être en équipe, parce que c'est plutôt dur. Bah oui, elle connaît toutes les langues du monde, ça voit. Bien sûr, je connais toutes les langues du monde, bah bien sûr. Alors donc si vous voulez essayer ce challenge, bah c'est simple, vous tapez sur internet The Great Language. Challenge. Je vais vous donner le Great Language Game sur internet et puis vous allez trouver ça, c'est gratuit. Vous pouvez vous entraîner, faire ça entre amis, c'est super sympa. Alors, je vous mettrai par contre le lien dans la description parce que je le dis très très mal. Je suis désolée les amis. Alors moi je vais vous mettre un petit écran parce que vous voyez je suis avec l'ordinateur vu que ça joue sur l'ordi. Donc là je vais vous mettre le petit écran qui va bien. Qui est là et moi je suis déjà sur le jeu. Alors nous avons trois vies. Alors, vous voyez en haut ici il y a marqué greatlanguagegame.com. Voilà. Donc, c'est et puis là il y a marqué finish. On a fini. Ou finish. Non, finish. C'est une langue. C'est une langue. Alors bien sûr c'est en anglais. Voilà, c'est en anglais mais on reconnaît pas mal les pays quand même. Ça c'est déjà ça. Il y a marqué portugais sur le lien en français. Ouais, ouais. Et en fait, c'est du portugais. Hein. Alors, est-ce qu'on commence ce petit challenge? Bah ouais, je mets pas les langues. Alors, c'est parti. Alors, on y va. Alors, je vais mettre le son à fond déjà. Hop là, et on y va. Bon, je sais lire. Je sais pas lire le nom. Alors, on y va. YK:n arvion mukaan noin 6000 pakolaista saapuu Eurooppaan länsi-Balkanin talven lähestyessä. La papaya! Euroopan unionin ja YK:n pakolaisjärjestöt ovat antamassa tilapäismajoitusta viimeiselle 100 000 ihmiselle. Alors, il y a marqué quoi là? Alors, il y a marqué, je pense que c'est finlandais, polish et polonais, portugais ou suédois. Alors, portugais. YK:n arvion mukaan noin 6000 pakolaista saapuu Eurooppaan. Portugais. Ah voilà, on a loupé une vie. Voilà, on a plus que deux vies ici, les amis. Vous voyez, on a deux vies. En fait, c'était finlandais. Je crois que c'est finlandais. Dites-le dans les commentaires si vous savez. Je crois que c'est finnish. Je crois que c'est finlandais. Bon, il nous reste plus que deux vies. On a 0 points. Hein, on est mal barré pour battre le record du monde. Bon, on y va. On continue. Allez, c'est parti. Allez. Le méga ton nul. Mais non, tu vas se rattraper. YK:n arvion mukaan noin 6000 pakolaista saapuu Eurooppaan länsi-Balkanin. Alors, Marco, finis. J'ai oublié de mettre next. Italiano. What language is this? Je suis trop nulle, les amis. Allez, c'est parti. Hafta maç sonuçlarına bakalım şimdi de. Osmanlı Spor 1, Alanya Spor 2, Giresun Spor 0, Bursaspor 0, Buca Spor 0, Antalya Spor 3, Alors, on a des Turcs dans la famille et là, c'est sûr. Dès qu'on entend Nejla. Des amis turcs. Dans tous les cas, dès qu'on entend une amie qui s'appelle Nejla au téléphone, ça se voit.
Ouais, ça ressemble à leur langue. Allez, on y va. On y va? Ouais, allez, c'est sûr. Oui, oui, 50 points de vie, next. Allez, correct. Il y a marqué. Allez, c'est parti pour le troisième. Il y a marqué correct. Hein. Oh là 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 là, là il y a du coréen, du thaï, du chinois et de l'espagnol. J'espère attends. Le chinois, t'inquiète. Ici, il y a le pro. J'espère que ça va être espagnol. Moi aussi, il y a du chinois. Ça va, ouais. Il est parti, oui, Jin. Coréen, moi, je sais pas, c'est agressif. La coréen, alors si tu dis que c'est. Chinois, tu dis, toi? Coréen ou chinois? Coréen. Coréen? Même je vais pas t'induire en erreur. Coréen? Perdu, c'était chinois, j'aurais dû t'écouter. Oh, oh là 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 là. Ouais, bah moi j'ai laissé faire son délire, hein. Spécialiste du chinois, c'est moi. Spécialiste du chinois, bah forcément. Si vous voulez prendre des cours de chinois, appelez Corinthe. Mais non, en fait, c'est que je fais du karaté. Alors là, il y a arabe, il y a bengali. Ukraine. Ouais, j'espère que ça va être arabe. J'espère. Arabe. Ouais, c'est arabe. Ça, les amis, c'est arabe. Arabe standard. Oui. Bah oui, sans point. Oh, oui. Je m'en plains trop bien là. Nice. 100 points, ok. Peut faire mieux. Ça veut dire bravo, nice. Allez. C'est ça? Non, ça veut dire bien. Ah, en d'accord. Fait, bah, sans plus, on va pas s'enflammer, hein. Pas bravo, hein. C'est juste bien. Ah d'accord. Pas allez, c'est parti. On y va. On a plus qu'une vie. Oh bah, j'en peux pas. 讲道理嘅逻辑去处理问题。上个星期违反校委。alors ça c'est coréen parce que ça ressemblait pas à ça chinois. coréen. c'était plus là c'est plus je pense coréen. Oh, c'était chinois les amis. On a perdu, game over. Bon, on va essayer de faire mieux, on a fait que 100 points. Est-ce qu'on essaye de faire une deuxième manche? Ouais, allez, on remet à zéro. Mais tu as vu, la spécialiste du chinois, je te dis juste. En fait, si tu veux, j'allais faire. Ah ouais, bon, je crois qu'on va suivre plutôt à Corentin quand c'est tout ce qui est chinois, en fait. Alors, on y va. Ouais, dès qu'il y a du chinois, ça sera moins parce que là, allez, c'est sûr que c'est... on met à zéro. Donc là, on a 3 vies. Hein. On essaye d'atteindre au moins, les 300 points. C'est possible, tu crois? Non. Allez, bon, on essaye. Imaginez que ça reprend. Ouh là là, alors c'est parti. C'est parti les amis. Il y a des banques, billions de collègues de technologies. Mais nous nous suivons et nous voyons que, par exemple, notre technologie a changé. Et nous, en dernier, par exemple, nous avons changé notre page. Donc, nous avons un système où vous pouvez banquer pour... Ukrainien, moi je dirais. Il y a ukrainien, roumain, finlandais et Ossa. Je sais pas ce que c'est, ça existe, je sais pas. Ukraine, je sais pas, j'ai un bus. Ouais, ah. 50 points. Ouais. You got it, yes, ouais. Next. Est-ce que toi aussi t'as hésité avec roumain? Roumain, non, parce que j'ai habité un petit peu en Hongrie, à côté, mais en Roumanie, je connais très bien, enfin, je connais très bien. Un petit peu. Je connais très bien le roumain. Non, mais je sais à peu près à quoi ça ressemble, donc non, ça ressemble pas à ça du tout. On y va, alors on a, alors j'espère que ça va être soit polonais, soit allemand, j'espère. Polonais. Je crois que c'est polonais. Polonais. Ah, c'était Urdu. Urdu. Alors les amis, dites-nous ce que ça veut dire Urdu. Ça veut dire. Alors attends. Urdu. C'est quoi? J'ai marqué. Urdu, c'est quoi? Urdu? C'est. Bah, dans l'ur. Urdu ou Urdu? Est une langue apparente au groupe indo-iranien. Ok. Indo-iranien et bah. Ok. Bon. C'est indo-iranien. Ok. 50 points toujours de vie. Allez, c'est parti. Alors, les amis, en plus, on fait. On apprend un peu des choses hein, quand même. Hein. Alors c'est parti. Alors, là, il y a italien, arabe. Bon, on va voir. Tamil, je crois que c'est en Afrique. Je
je suis pas sûre. Katika soko la kubadilisha fedha za kigeni thamani ya dola moja ni dolitalian. Ah ben ouais non. 122. Ah ouais. Ah Swahili. Swahili. Mais Swahili, ils nous sortent des trucs, mais je sais pas d'où ça vient. Swahili. Allez, Swahili. Histoire d'être moins bête. Un Swahili. Les langages Swahili sont des groupes de langages officiels de l'Afrique. Ok. Ok, ça vient de l'Afrique. Ok, bon ben voilà, on aura appris quelque chose. Ça ressemble étrangement à l'italien par contre. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ainsi méprendre, on dirait de l'italien. Alors on continue. On a une vie et on a 50 points. Ok. Va-t-on faire plus que 100 points? Allez, c'est parti. On est nul. Franchement, on est nul. Allez, Parlamentu i Senatu w Australii używany jest preferencyjny system głosowania. Izba reprezentantów często. Ouais, polonais. Ouais, ça y est, sûr. 100 points. Alors le prochain, il faut qu'on fasse plus. J'ai dit 300, mais je crois que je suis un peu fort là. Je crois que 300, on n'y sera pas. Je crois que 300, c'est mort pour nous. Alors bon. On a gagné que deux fois. Turquie, chinois, norvégien, ossétique. Attends, ossétique, attends, c'est quoi ossétique? C'est quoi ossétique? Ça, on va se mettre sur la voie un petit peu, là, on va spoiler un peu. Ossétique, hein? Là. O, C, non, O, C, C, T, Q. Ok. Ossétique, c'est quoi? Ossétien. Ok. C'est sur les hautes montagnes de l'Est iranienne. Ok. Ok. Alors, c'est du irien. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Hop. Ossétique. Ossétique, hein. Ouais, ossétique. Allez. Va-t-on aller jusqu'à 150 points, les amis? Oui, oui. 150 points. Plus que 150. Allez, c'est parti. On n'a qu'une vie. Allez, c'est parti. On est trop fort. Mettez-nous du français, s'il vous plaît. Alors, danois, ok. Ossa, il y a de la Chine. Oh là. Ossa, c'est quoi? Ossa, Ossa. Je sais plus. Il y a de la Chine. C'est du chinois. Non. Il y a quoi alors? C'est du Swahili. C'était pas ça, toi, qu'on a vu? Attends, je spoil, les amis. Swahili. Swahili, c'est quoi? Parfois, dans la ville de Sanana, dans les frontières localisations en Afrique. C'est du. Africain. Du Swahili, les amis. Et c'était du danois, voilà. On a perdu, on est encore à 150 points. Nous sommes nuls. Nous sommes nuls. Voilà, on va recommencer. Okay, alors la dernière, hein. La dernière, parce que franchement, on est trop nuls. Alors c'est parti, hop, on met à zéro tout ça. C'est bon, on a 3 vies. Il y a de la Chine, allez. Et allez, j'espère que ça va être espagnol. J'espère que ça va être espagnol. Alors, on y va. Alors, comment ça s'appelle? C'était un chinois. Petite dédicace à Aurélie et puis à Alex qui se reconnaîtront, hein. Hola, comment est-ce dans la casa? Bah dis-nous si tu fais ce jeu. Ah ben, c'était bengali. À quoi ça sert qu'on aille en vacances en Espagne si on n'est pas fichu de sortir un mot? Ça, ce n'est pas espagnol. Mais punaise, Alice, je crois que c'est espagnol, là, moi je me dis. Oh, c'est pas. Oh, non, là, comment est-ce dans la casa? Pas du tout. Ah, ça ressemble, hein. Allez, c'est parti, on continue. On a 0 point de vie. Voilà, on est trop nul. Allez, c'est parti. 꾸준하고 일관성 있는 교육이 얼마나 중요한지 알아야 한다. 이렇게 지적했습니다. 그는 또 교장들은 전부 불필요한 가족 휴가를 떠나는 것에 대해 우려하고 있다면서 방학 기간을 활용하는 것이 자녀에게도 최선일뿐만 아니라 교장들도 이를 지지한다고 권고했습니다. Eh ben voilà. C'était coréen cette fois. Oh, mais on est nul, on a 0 à 1. Je sais pas comment il a fait, celui qui a fait 6300 points quand même, il est trop fort, hein. Franchement. C'est normal, il avait 2 questions, lui. Nous, on en a 4. Bon, allez, c'est parti. Alors. Quatre, ok. Petits. Allez, on y va. 3, 2, 1, pâté. Radikaalien islamilaisten oppien tai islamisten oppien mukaan hallittu valtiollinen alue.
Ja tätä tavoitetta hän on jatkanut sitten myös Euroopassa oleskellessa tavoittelemista. Tällä ryhmällä on ilmeisesti kytköksiä Suomeen neljän henkilön kautta. On très intéressant ce qu'ils disent en tout cas. T'as tout compris? Je vous dis oui. Alors, finlandais, Swahili, finlandais. Thaï. Allez, finlandais, bon, on en est, on a zéro. Ah, bravo! Bravo! On a 50 points. J'ai dit au hasard. Bravo, bravo, bravo. Et pourtant, ben, je l'ai dit au hasard. Mais non, faut pas dire que t'as dit au hasard. Tu dis, ouais, je le savais et tout. Non? Mais c'est vrai que je l'ai dit. Allez, quel langage est-ce? Alors, il y a. Voilà. Allez. C'est pas chinois. Ukrainien, Ossa et danois. Ukrainien. Ukrainien. Allez, on va écouter quoi en bas. Ah bah non, c'était danois. 50 points. On est nul de chez nul. Ah, d'accord. Mistake in round. Ah, oh, on peut l'écouter en coréen, ce que ça donne, Bengali. Vas-y, ok, ok. Bon, on est trop nuls. Bon, bah voilà. Je crois qu'on va finir sur cette... De fait, je vais continuer ou on arrête là-dessus. Je crois qu'on n'arrivera pas plus au-dessus de 150 points. On va arrêter. Et voilà. Oh les loulous, bravo à Corentin, parce que franchement, moi, je trouve qu'il a été plus fort que moi. Alors cette fois par contre il n'y avait pas maman est plus grande donc du coup c'est plus facile, on était vraiment ex aequo parce que franchement c'était vachement dur et puis moi je connais même pas un centième des langues qui étaient proposées. Donc franchement Corentin t'as été plus fort que maman je trouve. Bah le chinois moi c'est facile parce que je fais du karaté. Ah ouais. Ça vient de la Chine et du Japon ça. Ok, ok, bah comme il fait du karaté, il sait. Ah oui, c'est vrai que ton prof de karaté fait toujours des. Et en plus un matin, il nous en apprend. Ah allez cool. Loulou, bah dites-nous, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Bah. Ils l'ont déjà fait. Ouais, si vous l'avez déjà fait. Ou si vous allez le faire. Ouais, aussi très important, si vous allez le faire. Et si vous allez nous battre. Parce que nous, notre meilleur score, ça a été combien? 3600 points. Ouais. Non. Non, c'est un million. C'était combien notre record alors? Allez, on va être honnête. Ouais. 150. Alors dites-nous dans les commentaires si vous allez faire ce jeu, si vous allez battre notre record. Et puis, bah écoutez, peut-être qu'on fera une autre vidéo pour essayer de battre le meilleur record que vous allez faire à ce jeu. Non? Bah, imagine, c'est 50. Non, faut déjà qu'ils nous battent, nous. Attention, faut nous battre, nous. Et si vous nous battez, on va en refaire un et on va essayer de vous battre. Voilà, enfin, on va essayer, enfin, on va voir. On va en verra. On va acheter des livres d'anglais d'Espagne. Bon, on va acheter tous les livres des langues du monde entier pour pouvoir apprendre toutes les langues. Bon, Marley, Loulou, par contre, c'est déjà la fin de cette vidéo. On va vous laisser. On va vous faire des gros bisous. Mais avant ça, par contre, on a un petit problème sur YouTube. C'est qu'on a certains abonnés qui nous ont dit qu'ils avaient été désabonnés. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez pas être désabonné par YouTube, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer quoi? La petite cloche. Il faut activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos parce que sinon, eh bien, vous ne recevrez plus rien. En fait, YouTube va vous désabonner. Voilà, il y a risque de vous désabonner automatiquement. Voilà, il y a un petit bug. Désolé, c'est pas de notre faute. Et puis, si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à quoi? Likez. Un petit pouce bleu comme ça vers le haut. Et puis les amis, on va vous laisser. On vous fait des gros bisous et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait quoi? On des dit quoi? Gros bisous. Ouais, on l'a déjà dit. On dit quoi? On vous dit ciao, 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 ciao les amis. Bisous, 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 bisous.